Alors j'éteins mon téléphone. Hop. Vite parce que j'ai plus de batterie. Alors ici, prédiction. Pas d'embrouille. Écoute-moi bien. C'est un vieux monsieur qui m'a donné ce tour. Mais ça, il est un peu spécial. Tu vas me dire n'importe quel chiffre, n'importe quel nombre à deux chiffres. Par contre, ce monsieur n'aimait pas les chiffres pairs. C'est-à-dire que 22, pas bien. Parce qu'il y a un 2, il y a un 2. 33 non plus, 34 non plus. Parce qu'il y a un 3, c'est bon, mais 4, pas bon. D'accord ? Donc, faut pas qu'il y ait des paires, faut pas qu'il y ait des doubles. Un exemple, 17. 17, c'est nickel. Il y a un chiffre impair. Le 7, c'est un chiffre impair. Donc, tu en as plein. D'accord. Celui que tu veux, tu prends ton temps, tu réfléchis. Prédiction. Est-ce que si tu me dis un chiffre au hasard et que dedans il y a la prédiction, c'est déjà pas mal? Ah oui. Ah. Alors vas-y, réfléchis et dis-moi. Je peux aller jusqu'à combien? Un nombre à deux chiffres. À deux chiffres, d'accord. Celui que tu veux, celui qui te vient aller à la tête. 73. Non, petit. Petit? Oui, petit. 27. Non. Il y a un chiffre pair dedans, pas bon. 37. Ça te va? Ça, 37, c'est bon. T'es sûr que tu veux pas changer? Ah, non, certain. Est-ce que tu veux prendre le papier qui est ici? Parce que j'avais dit prédiction avant. Ah. Est-ce que s'il y a marqué 37, c'est un miracle? Ouais, là tu m'énerves s'il y a marqué 37. Pourquoi je t'énerverais? C'est dommage que t'as pas vu ça en tête. Quoi? Tu veux vérifier? 37. Non mais tu peux toucher, attends, je suis pas... Oh, c'est énorme. Je sais pas. C'était la question qu'on voulait savoir avec Jérôme. Ah, c'est énorme ça. Moi j'adore. Mais voilà. Comme j'ai vu un monsieur sur internet qui disait que c'était un peu juste ou je sais pas. Moi j'ai trouvé énorme, que ça. L'effet sur le spectateur était énorme. Voilà. T'as le choix, hein, les chiffres. Tu m'as dit celui-là, t'aurais pu. Voilà. Tu veux voir ça? Oui. Putain, je toi, t'achètes tout, toi. Ah non, mais c'est énorme ça. Voilà. Je peux changer, je peux t'en faire un autre. C'est énorme. Tu veux que j'en fasse un autre? Faut que je change, hein. J'en ai d'autres de papier, attends, bouge pas. Donc j'ai changé, j'en ai mis un autre. Ok. Donc tu choisis. Tu peux aller jusqu'à 40 par exemple. Donc par exemple, je redonne un exemple. 37, comme tu viens de dire, c'est bien. 17, ça marche aussi. Prédiction. Ouais, okay. Je suis allé, j'ai changé, j'en ai mis un autre. 19. 19, comme ça, sans réfléchir. 19, ouais. J'ouvre, je tire, 19. Comme tout à l'heure. Hop. J'ouvre. Je prends mon papier. Il est marqué. Je peux changer ou pas? Non. 19. Je ne comprends pas comment ça marche. C'est bien fait ça. Toi, t'aimes pas? C'est énorme. Pourquoi t'as pas dit, je sais pas, plein d'autres? En plus, j'ai pris moi le papier tout à l'heure probablement. Non, 19, voilà. Parce que là, il y en a des chiffres. Y je y te a... dis, bon, des nombres pairs, de toute façon, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 24. 1, 3, 5, 7. Ouais, il y en a 9. T'es fait avoir deux fois. Tu veux que je change, maintenant? Non, c'est très bien ça. Voilà. Toi, t'aimes pas?